Salut à toutes et à tous, ici Farid pour une nouvelle vidéo et on se retrouve encore une fois sur Space Engineer pour continuer notre petite let's play entre guillemets découverte dans lequel on va faire tous les tutoriels du jeu. Donc là on peut voir en arrière-plan des petits astronautes qui réparent un petit vaisseau sur roue. Donc ça va être marrant une fois qu'on en sera là. Donc pour le moment là, comme je vous ai dit, là c'est une vidéo let's play découverte dans lequel nous allons faire tous les tutoriaux. Donc là on va passer au total numéro 2, donc il y aura déjà 10 vidéos, un par vidéo, et ensuite on continuera donc sur notre propre aventure là dedans, normalement de personnaliser. Donc on verra ça plus tard, je ne suis pas encore à là. De mon côté je commence à me renseigner un petit peu sur le jeu en lui-même, ce que je vous ai dit, je l'avais jamais lancé avant vous, donc on verra bien c'est quoi sa planétari. Ah non, d'accord, donc là on est sur les basiques, après il y a les planétari, donc rectification, il y aura 14 épisodes. Excusez-moi. Attendez, je reviens tout de suite. Me revoilà, donc excusez-moi, j'ai commencé à avoir la crève et ça commence à m'énerver. Ça qui coule, c'est pas c'est très chiant. Je m'excuse d'avance d'ailleurs pour ma voix si jamais je renifle une fois ou deux. Donc voilà, donc aujourd'hui on est parti sur tutoriel numéro 2, inventory et terminal, donc les terminaux et les inventaires. Donc l'introduction pour le joueur et les blocs d'inventaire en quelque sorte, pour ajouter withdraw c'est écrit, ouais, pour ajouter des items ou des basiques initiation, pour le contrôle, pour contrôler justement ces terminaux. Ok, allez c'est parti. Alors, l'investissement dans la connaissance est celui qui rapporte le plus d'intérêt. Benjamin Franklin. D'accord. Avec un petit screen, enfin, une petite image où on voit un astronaute qui tombe dans le vide sur une terre enneigée. Les Alpes. Non, j'en sais rien. Voilà, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit tuto, parce qu'en quelque sorte, je vous fais le tuto du jeu. Donc, c'est essentiellement pour moi, pour découvrir le jeu, mais je me suis dit qu'il est temps de découvrir en même temps que vous. Et en même temps, ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas voir le jeu d'apprendre les bases au fur et à mesure en même temps que moi, avant de me lancer dans un tuto, comme ça tout le monde partira de la même base. Même si c'est vrai que le but d'un let's play c'est quand même faire découvrir aux autres les connaissances, c'est pour cela d'ailleurs que j'en fais pas un tout de suite, car là c'est vraiment pour apprendre, comprendre avec vous. Comme ça si jamais j'ai des flous ou des incompréhensions par rapport à certaines traductions que je fais ou autres, vous pouvez me le dire, ce sera comme ça moi j'apprendrai mieux, puis après comme ça pendant le let's play je serai là pour... ou faire partager au mieux ce que je sais sur le jeu, même si je vais concrètement, je n'ai pas d'expérience dessus. Alors on va apparaître en salle médicale. Donc heureux, j'ai été accepté dans la faction abrutive. Voilà, alors, cette fois nous sommes à l'extérieur. Donc la fameuse salle médicale, elle est ici. J'ai l'impression qu'on va faire des constructions super classe. Alors par contre j'aimerais bien désactiver la TH là, désactiver ces aides, et puis dans les options du jeu. Options, jeu, montrer les astuces de contrôle, afficher les aides de rotation, les astuces de contrôle c'est quoi ça? C'est ça? Non. Tac tac tac, c'était pas prévu ça. Ah parce que j'ai pas validé, des cœurs. Tac, ok. Est-ce que c'était ça? Oui! Mieux. Alors, en 1, c'est parti, on va ici. Il y a des bouteilles d'oxygène, a priori. Oh, petite lampe. Alors, pick up some of the rocket below. Ah non, c'est des roquettes, d'accord. Loading item and press F, ok. Inventory by press I. Press I. Alors, faut prendre le conteneur de missiles. Par contre la maniabilité, il va vraiment falloir que je m'y habitue. Voilà. Après on a dit de presser I. Ok, donc j'ai des roquettes. J'en ai 32. Ok. C'est tout ? Ouais, vous pouvez les regarder dans votre inventaire en appuyant I. Ok. Ensuite. Tac. Oh, une flèche. Alors. Approach the square convoyeur, hatch on the rear of the missile block. You will see a yellow square with a triangle
And each corner them press F to access the cargo inventory. Your personal inventory is on the left on the screen. The rocket launch is on the right. Drag the missile into the rocket inventory launch. Oui, en gros, ça nous est juste pour nous expliquer comment charger les roquettes dans un missile. Donc là, à gauche, c'est notre inventaire personnel. À droite, voilà, si on clique ici, c'est l'inventaire sur lequel on a accès. Donc là, on peut voir, c'est le lance-missile. On fait un shift clic gauche et c'est bon, directement, c'est transféré. Voilà, donc en même temps, je suis en train de me dire, tutoriel, c'est pas mal aussi aux gens qui ont le jeu par exemple, ou qui veulent acheter le jeu mais qui sont pas très doués en anglais comme moi. Enfin, moi je suis nul en anglais, mais bon, on va dire que j'arrive à comprendre le langage de base. Ça vous permet aussi de découvrir le jeu. Enfin, de voilà, découvrir les fonctionnalités, enfin, de pouvoir faire ces tutoriaux. Du moins de pouvoir les voir, parce que je vous traduis rapidement en gros ce qu'il faut faire et je vous montre. Donc c'est vrai que je suis pas forcément obligé de les faire après, si vous comprenez direct, mais bon. Ensuite, en 3. When you have loaded the rocket launcher, can press the button 2 with the F to fire. Blast a hole in the stone wall so you can talk truth. What? Pas compris la dernière phrase. On parle des murs en pierre. Ok. On va devoir casser le mur en pierre. Ok, donc on va appuyer sur le bouton numéro 2 et on fait feu. Wow! Quelques baisses de FPS à ce moment-là, mais. Énorme! Donc c'est ça le lance-missile. Enfin, c'est justement le petit truc au milieu là, exactement. D'accord! On va où ensuite? Donc ça c'était là où on est apparu, donc on va traverser le mur en pierre, je pense. D'après ce qu'ils ont dit. Alors, on est en 5, on va voir où c'était là. If necessary, you can recharge the sweet energy and using the seat. Ok, donc ah oui, on va voir que j'ai un oxygène qui baisse que de l'énergie. Et comme on a vu dans l'épisode précédent, quand on s'assoit sur un siège, ça remet tout, ça remet l'énergie et l'oxygène à 100%. L'hydrogène, pardon, c'est l'oxygène, non. 4. Oula, il y a beaucoup de texte. Try not to talk. Et to walk, pardon, on the component they could get kicked away. Ah bah d'accord, t'es comme ça toi, ils vont nous virer. There should be, alors 15 plaques d'acier, 4 larges tubes en acier, 10 composants de construction, 4 moteurs et 2 ordinateurs. Pick up the component below and load them into cargo container nearby. The light will turn off when you have pick up all of 5 components. D'accord. Donc on a dit des tubes en acier, des plaques d'acier, des moteurs, des ordinateurs et des composants de construction. Et on met tout ça là-dedans, si j'ai bien compris. C'est quoi ça? Accès refusé, c'est pour l'accès à ça, d'accord. Alors on a dit ensuite pick up and load them into the cargo container nearby. Ok. Donc 5, c'est ça. Tac, on met tout. Tac, 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 tac. Et tac. D'ailleurs, j'ai mis ça dans le mauvais truc, je crois. Non, c'était le bon. Ok. En fait, il y a deux onglets. Il y a là celui qu'on voit. Ça, c'est celui de tous les inventaires qui sont dans la station ou le vaisseau. Ça peut être pratique aussi, ça va débouger son cul à chaque fois. Ok, les lumières se sont éteintes, comme on peut voir. Alors que si j'en enlève un. Tac. Ok, j'étais mauvaise langue, c'est pas grave. Ok, ensuite on va passer en 5, ça c'est fait. Peut-être activer ce petit bouton. Non. Par contre, il y a une espèce de tuyau. Il y a un gros tuyau qui amène ça là-haut. Ah oui, en effet. Well, ouais. On va voir ça après. 6. When you have loaded the component into the cargo container, press le bouton 1 pour ok, le welder, donc le welder à mon avis ça va être le tube là. Pour activer le tube donc en on. Le welder donc est. Donc pousse automatiquement les composants dans un système de convoyeur et il active des pistons avec le bouton 4 pour que le welder termine la construction. Donc on a dit le bouton 1. Tout envoyé là-haut. Ah oui! Wow, good! Et après, on fait le bouton 4. Ouah!
Je crois que je vais kiffer ce jeu. Sérieusement. En fait, ça a fait les composants nécessaires à que ça se baisse. Good. Après, you need component in your inventory to be able to place a block, to place light armor, require steel plate. Withdraw steel plate from this cargo container. Access the container with F button and drag the steel plate into your inventory. Pardon, excusez-moi. Yep, alors. Vous savez mon inventaire, on va en. En 8. En 8. Alors qu'est-ce qu'ils nous veulent? Tac 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 tac. Ah, il y aura une passerelle qui va se former à mon avis. Alors, you need component in your inventory to able to place a block. Armor require steel plate. Place armor block above this panel to make a bridge across to the other side. Add the light armor block to your toolbar. Ok. Ok, donc on va dans notre inventaire en cliquant sur G. On récupère les plaques. Si je trouve où ils sont. C'est pas pratique, j'ai l'impression, cette histoire. Peut-être là-dedans. Non plus. Ouais, dans tous les blocs, on va voir ceux que j'ai, non? Bah alors. On va retourner dans notre inventaire. Ça s'appelle des plaques d'acier en français. Donc. Plaques. Plaques de passerelle en acier. J'ai pas la même traduction pour les deux trucs. Voilà. Alors, comment ça marche? Add the light armor block to your toolbar by pressing G, then right click. The light armor block. G et right click. What? Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Select the block by pressing its corresponding shortcut. Ouais, donc raccourci numéro. Ok. Left click to the plate. Left click. Ok. Vous avez besoin de plaques inférieures pour construire. Vous avez besoin de plaquage inférieur pour construire. What? Attends, si j'ai dans mon inventaire, j'en ai là. Oh, attendez, ça c'est des plaques d'acier. J'ai pas tout compris. Hop là. Retourne là. You need component in your inventory. Ok, to place the block. Ok, armor require steel plate. Oui. Place armor block above this panel, make the bridge across. J'ai pas tout compris, les amis. Alors attendez, on va aller là. Hotch, on va essayer de placer ça. Ah là, comme ça, d'accord. Je crois que j'ai compris. 4. Vous avez besoin de plaquage inférieur pour construire la passerelle en acier. Ah ok, donc il nous faut des petits tubes en acier, des composants de construction, des plaques inférieures. Ah ouais, vous êtes comme ça vous. Mais c'est pas ça que j'ai besoin en fait. Comment ils veulent qu'on mette ces trucs là dans notre inventaire? Parce qu'il y a écrit place armor block above the panel. Make a bridge across the zone. Add the light armor block in your inventory. Je suis complètement bugué là. Tac tac tac. What? Bon, attendez, je reviens quand j'ai trouvé. Heureux les amis, donc du coup j'ai quand même trouvé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé rapidement le jeu en anglais pour chercher les blocs qui me proposaient. Et en fin de compte, c'est extrêmement simple. On va dans G. En fait c'est tout ce qui est dans les blocs de blindage. Donc armor c'était blindage hein, donc ça je le savais en plus. Mais bloc de blindage léger, il nous fallait ça. Et regardez en fait pour la composition à droite, il y a écrit comme quoi il nous faut 25 plaques d'acier pour en faire un.
Ou bloc de blindage pour les petits vaisseaux, ça fait qu'une plaque en acier. Et du coup, en fait, donc ça, on fait un clic droit pour le mettre dans notre barre en bas. On le sélectionne avec le petit 4. Et normalement, ça se pose. Voilà. Voilà. Et le dernier, on va le placer là. Voilà. Sauf que ça a été un peu un vrai fail parce que je n'ai pas, on va dire, lu la suite. Hop. Ah. Tu vas m'en kikiner, toi. C'est bon? J'ai. Toi dégage, tu m'enquiquines. Voilà. Ça y est, on a notre passerelle, les amis. Enfin, alors 10. Control panel can be full on many different blocks. Alors, ok, donc pour contrôler les plaques, on peut utiliser différents blocs. Connect block. The blue panel is the control panel access. Pas fait le 9 avant, moi je suis un abruti. Hop, 9, on a dit. 9. Access to the control panel and located the small reactor. Click the bottom label on to supply power to connect the ignition. Là. Access panel to control located small reactor. Le petit réacteur, là. Activer. Afficher la TH. Ouais. Mais il est pas sur on. Cliquez sur le bouton qui est labellisé on. Ouais. Bon, on va lire ce qu'il y a écrit. The blue panel belongs to control panel. Access to control panel. Ok. NC yellow square effect press. En fait, faut vraiment avoir un petit niveau en anglais quand même. Ça peut être pas mal, moi je dis. Alors. Petit réacteur. Ok, ok, ok. Affiché sur la TH. Pas mal de le passer en on. Allez, Mamté. Tac. Mmh. Sortie max 15 MW, courant de sortie actuel 0. Activer ou désactiver le bloc. On. Ah, ça y est. Courant de sortie 19 kW. Ouch, et pas beaucoup, hein. The panel below will display the next instruction when the station power is turned on. Ah ouais, ça c'est cool. Ah, ça, putain, c'est super réaliste. Quand t'actives du courant, ça met petit à petit, ça se lance. On est à 19 kW, on va voir que au fur et à mesure que l'énergie arrive, ça s'éclaire de plus en plus. Oh putain, je kiffe ce jeu, sérieux. Dis-moi, je puisse faire des trucs super techniques là. Alors, now that the power is on, access to the control panel and locate the group rotor bridge. Ok. Press the button label reverse and next exit the control panel by pressing F to see the effect. Group our way to panel setting to collect a collection of blocks. They already display. At the control panel left and R encapsulate with F and with Pareo. Ouais. La station quid. Ok. Donc faut que j'aille sur le bouton reverse. Existing. Ok. Rotor bridge. Donc divers va être inversé, je pense. Wouah! C'est trop classe. Allez, on se recharge en énergie. Ouh, l'oxygène, je suis bas là. Je suis très bas en oxygène d'ailleurs là. Allez, on va vite aller à l'intérieur là-bas. Sinon, c'est la fin, je crois. 12. Avec des détecteurs. Oh putain, l'effet sonore en plus. Je kiffe ce jeu. Tu dois être complete. Yeah. Ce jeu est une tuerie, les amis. Je le dis sérieusement, ce jeu est une tuerie.
J'ai hâte qu'on finisse de découvrir les totalités du potentiel de ce jeu dans le tutoriel pour ensuite passer à ce let's play. J'ai trop hâte de faire ce let's play, les amis, j'ai trop hâte. Voilà. Mais bon, ça a rien d'ancien dans un espèce. Si on connaît à peine les bases du jeu, on sait même pas comment collecter des ressources ou autre. Enfin, si, avec la foreuse manuelle, mais bon. Bon, et sur ce, les amis, c'était Farricon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que je vais enchaîner les tutoriels là avant d'aller au boulot. Comme ça, je sais quoi faire cet après-moulot, je ferai le rendu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires vos astuces, vos informations concernant le jeu ou des idées de let's play ou autre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.